Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter quelques nouveautés de la boutique, cette collection Enchanted Jungle de chez Craft Consortium. Donc on a un bloc en 30-30, un bloc de fond en A4 et des embellissements ainsi que des tampons. Donc ici vous voyez on a des pages de cardstock lisse, recto verso avec une teinte différente pour le recto et le verso à chaque fois. Donc là, ce sont toutes les teintes qui vont avec l'album en 30-30 et bien sûr avec d'autres produits, vous pouvez les utiliser facilement. Donc pour le bloc jungle, c'est vrai que on a eu la savane, et bien là, la jungle, on est dans un style complètement différent. Donc vous avez les embellissements à découper sur la page de couverture, très beau carton. Et ensuite des pages avec des motifs floraux et puis le léopard qui se cache parmi les fleurs. Donc c'est vraiment un style différent. Ce papier a un côté nacré, il y a quelques feuilles qui sont nacrées comme souvent chez Craft Consortium. Donc vous avez quatre fois les mêmes pages et bien sûr recto verso. Donc voici un autre modèle avec du feuillage. On a aussi de très beaux dies de feuillage chez Lowfawn, donc dans la boutique, qui sont en promotion dans le rayon des bonnes affaires. Ici, regardez ce bleu gris avec toujours le léopard ici et ses jolies fleurs. Donc à l'arrière, une teinte. Alors là, c'est vous avez dessus un effet glossy sur le blanc. Un petit glacis par-dessus en relief, embossé. C'est vraiment très très chic comme d'habitude chez eux, les collections. Donc on va survoler les pages. Alors on a encore en fond plein de die cut à découper. Ici un fond dans les couleurs mauve. Des feuillages et des petites taches. Ici encore ce petit feuillage qui fait un peu indien en fait. Donc le léopard sur fond rose. Ici c'est pas du blanc, c'est du rose. Les feuilles sont nacrées et à l'intérieur on a aussi ce très beau motif nacré. Alors si vous regardez en détail, il y a plein de petites finitions au niveau des motifs, c'est très très joli. Ensuite on a un fond noir, donc pensez à sortir avec le bloc. Là, vous avez toutes les teintes qui vont avec. Ensuite, on a ici un fond bleu avec donc le léopard dans les bleus. Sur des grandes feuilles, je sais pas, c'est pas des bananiers, c'est de la, je sais pas, des fougères peut-être. Genre de fougères arborescentes. Donc voilà pour les assorties de ces papiers. C'est vraiment très très joli. Donc alors avec ça, vous avez les die cuts en carton qui sont autocollants. Donc il n'est pas marqué là combien de pièces il y a. Mais c'est marqué sur le site de la boutique. Donc là, ceux-ci sont autocollants, en carton autocollant. Derrière, vous avez une petite pellicule à enlever. Vous avez les charmes de tête de léopard. Voilà, qui vont avec les dots, enamel dots, donc les demi-perles brillantes nacrées qui vont avec, et une planche de tampons avec léopard, tigre, enfin voilà quoi, c'est très très joli, et les fleurs ainsi que ces très belles fleurs et feuillages, du texte aussi. Alors là on a sur la planche, c'est pas marqué mais je crois qu'il y a 9 tampons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tampons, voilà. Très très joli. Donc ça c'est la collection de chez Craft Consortium sur la jungle. Je vous présente juste après autre chose qui vient d'arriver, une collection de Noël, donc à tout de suite.